Jeudi, c'est mercredi, et nous vivons, et mercredi 18 septembre 2024. Messieurs, dames, et amis, frères, accès, compatriotes, moi, yo, bonjour, bonsoir, et pour nous toutes, amis, quoi, c'est toujours, amis, nous. Et si vous êtes, nous, merci Dieu, c'est toujours avec, même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous toutes, guéillons pour l'autre. Et toute équipe là, à la ronde, badè, nous comptons rencontrer. Nous pourrons faire une transmission journal et méga matin, méga, c'est Pigo Réseau Radio Haïtien qui est sous la Tébéni avec staff nouvelle là et formation yo sous pays d'Haïti. WTT Radio Méga, Go Radio 1, l'IFE 5. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal, la Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, les États-Unis. Mercredi 18 septembre 2024, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes, toujours même plaisir pour nous porter pour troisième palette journal Méga Matin. Toute équipe là content mobilisée pour capable porter pour toute information qui a dominé l'actualité. Marcel Joseph dans mise en ordre de la micro-présentation. Moi-même Jean-Vinier CVA qui a Daniel. Mes amis, Topatou, bonjour, bonsoir. Toute équipe là très content ensemble avec vous matin pour porter la caillou, notre travail au journal Méga Matin. Mais quelques principales informations n'a porté pour non journal là, malheureusement bilan explosion Miyagwa n'a continué à grossir sifflant Kounia là c'est 31 monde qui a mouru selon direction générale protection civile. Gagnant étudiant faculté de droit 23 l'année Jean-Wilfried Arissi il mourit ben subitement hier mardi 17 septembre 2024 là pendant le tap suivre Koun local provisoire il a OPC dans Boudon protecteur citoyen et dans Edouville dit regret la mosa a critiqué autorité qui pas voyager sur quantité étudiants qui vivent basque à cause insécurité à nos pays. Le premier ministre Gary Koni visité local Banque Centrale hier mardi. Chef gouvernatif voulait évaluer situation sécuritaire zone ça qui en bas contrôle gang depuis quelques temps. Un chef primature a pris engagement pour reprendre contrôle en bas la ville là pour la vie capable de reprendre Jean Satie. Visite sur visite dans pays a gagné ministre de défense là Jean-Marc Bettier qui t'a gagné avec l'ambassadeur français. Antoine Michon visité yo même tout base FADH là, ne clerci. Si yo a voyé messager à tenter négocier trêve à gouvernement selon un communiqué, mission multinationale là, mission annoncée, y a continué opération bon côté PNH là, dans divers coins de la capitale là. Et ouais, vaudou haïtien, Augustin Saclou, voyez message à l'unité pour vous choisir. Représentant pour KEPA, dans deux candidats qui étaient Augustin Saclou. Souhaité tout un secteur vaudoisini derrière choix là merci Charles Pierre. Selon information aujourd'hui mercredi ces dernières dates pour KPT a publié conseil électoral provisoire même qu'a fait partie après conseil ministre a dû organiser aujourd'hui. Il y a un Anel Cassis aussi dans silence l'ancien sénateur dit il pas dans pouvoir ça mais il t'a souhaité transition réussie pour empêcher qu'il ça échoue il doit accepter l'ouvrir pouvoir ou différents le secteur vient mettre main dans la bataille ici là. On y couille des fraudes, institution décide de révoquer 4 employés, mettez 7 sous suspension. Employés ça y après l'agent, mes citoyens pour faciliter aux 24 identifications. On n'a pas gagné pour ne pas les dossiers dit celle-là dans le journal Méga Matin jeudi. La situation a toujours bloqué entre Digicel avec Pareil Hospitality Group SA. Directeur général dit celle-là, quoi, il n'y a pas de mettre Calico en goutte. Il y a seulement gagné au contrat échange avec service à QO, exigence hôtel la guerre pour le discuter. Notre tribunal. Toujours sous même dossier, ça n'a pas pour nous porter pour vous. Conseil président Leslie Volte organisé une première réunion avec acte clé dans le secteur communication en sous-dossier ça. Ta co-responsable qu'on a tel là, Digicel, y a cherché une formule pour bien rapide répondre à la situation si là. C'est point ça yo, avec divers les autres qui parlent fait essentiel journal la matière. Mais pas oublier les amis auditeurs.
n'apprenons qu'on est capable de traverser avec. On pas qu'on est avec Kito, capable de son dollar américain aujourd'hui. N'apprenons pour nous porter pour week capsule santé, rite branché. N'apprenons. Bienvenue dans le développement journal l'agent. Nous t'ai annoncé ça notre site journal là. Question monde qui continue à victime dans cadre explosion camion citerne ça t'ai porté gaz côté plusieurs monde témoin c'est ton vingtaine qu'on y a là l'isla pas grandi puisque il y a un monde qui malheureusement qui était blessé grave qui a pris soin à l'hôpital et qui pas à tourner et qui perdit vie. Jean Nodoulan, bilan, Ligoussi, Chiflan Kounyala, c'est 31 moun qui mourit selon Direction Générale Protection Civile. N'a pas avancé avec Nouvelio après détail sur bilan, sur quantité moun malgré gagnant pile nan yo. Yo t'est arrivé transporté dans la capitale haïtienne là, mais Chifla avait continué à augmenter. Gagnant là, étudiant faculté droit Wilfried Aricil mouri subitement journée mardi ça pendant le temps fond exposé dans local provisoire faculté qui dans local OPC sous Boudon hein. Étudiant 23 là Néan Inagetou talrend dernier soufflé dans l'hôpital donc gagnant droitien faculté à mettre Jean Eugène Pierre Louis ben fait qu'on est étudiant t'es habitué gagnant malaise selon témoignage camarade promotion Lio, droyen promettant pour capable accompagner famille. N'a pas invité au côté Eugène Pierre-Louis dans un journal Méga Matin, lui-même qui parlait sous situation difficile ça, qui arrivait étudiant Sila, n'a pas invité au côté Eugène Pierre-Louis dans un journal Méga Matin. Nous n'a pas venu ensemble avec lui, mais entre temps, nous n'a pas venu avec entendez la presse, n'a pas capable de tenir Rinaï Douville lui-même qui parlait sous même dossier ça. Bon, effectivement, mon étudiant décédé, c'est une nouvelle vraiment tragique qui surprend moi parce que matin, maintenant, pendant ma première entrée, je vais une cérémonie officielle que le ministère de l'Éducation nationale a fait sur l'affaire la petite enfance, la préscolaire, dans le préscolaire dans le niveau Caribé. C'est pendant ma cérémonie, puis le mois de mai, son lancement au séminaire, je dis moins gagné un étudiant qui va la exposer dans l'OPCA, dans un cours de démographie. Et puis il est tombé. Il est tombé, moi je suis courir l'hôpital avec lui pour moi venir. L'État est protecteur citoyen, professeur Renaï Douville, on connaît l'handicap dans nos coups de main. Et dans un moment avec l'étudiant, et que ça pour faire cours pour aider nos débats. Et puis, il fait courir l'hôpital là avec moi, l'hôpital Saint-Joseph, Marie de Comblant. Et il n'est pas même bien rentré à l'hôpital là, il a mis les gens qui sont décédés. Et bon, l'embarque est effectivement, moi je vais encore allonger. Moi je fais appel à JDP et avec assistance au PC. Et jusqu'à présent, je m'attends à JDP pour venir vous faire les formalités. Donc, m'attends à JDP, moi accompagne les familles là, il y a un frère qui est là, il y a l'autre membre de famille, mais l'information, je dis, moi je suis en train de problème, il y a antécédent, il était tombé parfois, et des camarades promotionnels, il qu'on a plein de villes, il y a tu vois. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, donc je vais faire un JDP, et puis bon, je ne vais pas demander l'hôpital là pour le bon rapport médical, parce qu'il ne peut pas hospitaliser, il ne peut pas avoir une prise en charge qui est faite, donc l'hôpital là, ça, ce n'est pas responsable, pendant qu'il y a un paquet là, il est décédé, donc moi, je vais accompagner famille avec quoi camarade promotion, là, je vais faire un JDP venir pour faire une formalité légale, mais je ne vais pas accompagner famille jusqu'au bout. Monsieur étudiant Rélé et Bambono, hein? Étudiant Rélé Aristide Jean-Wilfried, il était dans la troisième année économique matin. Et matin, il prend la suivante pour démographie, la font exposer le tombé. Donc, moi là, je pas accompagné, mais c'est vraiment tragique. Donc, un étudiant fin sauvé, fin préparé. Donc, c'est un gros fait lié pour famille, pour pays, pour toute promotion. Donc, moi, monsieur, nous avons fait monsieur. Mais tous, pourquoi les situations sont toujours difficiles, ça qui a amélioré l'environnement.
Non, jusqu'à présent, pas grand rien qu'améliorer. Nous comme nous avons une situation. Hein? Toute faculté qui est dans la zone espace, dans masse là, dans l'espace sous préparé national, tout vandalisé, pillé, saccagé, sac incendié, par rien. Et jusqu'à présent, c'est bon, m'a dit nous allons comprendre. Doit une faculté des droits réquisitionner le local cabinet de l'Égypte. C'est moi qui dois, mais c'est doyen qui réquisitionne le local cabinet pour loger l'administration. Faculté, jusqu'à présent, le cabinet a existé pour le moment. Nous faisons rapport. Je ne vais pas faire rapport pour pas organiser ça. Mais provisoirement, si dans l'espace du cabinet et l'administration, le cabinet a. Voilà, amis auditeurs, tape côté intervention Eugène Pierre-Louis, étudiant faculté droit Wilfried Aristide qui mourit. Sibita Yamadia pendant le tape fait un exposé dans le local provisoire faculté, dans le local OPC sous Bourdon. Protecteur citoyen Renan Edouville, quoi ça montre étudiant à vivre dans une situation difficile, en bas stress, insécurité à cause faculté séparée dans plusieurs espaces. Protecteur à quoi c'est une situation intolérable. L'État doit bailler assurance à une quantité étudiants qui déplacés qui vivent dans une situation difficile. Responsable OPC a rappelé le décret pour une ministre sous dossier. Ça jusqu'à présent, à l'époque où dit, nous invitons au côté Renan Edouville. Maintenant, je voulais vous dire, il y a un incident qui nous capable d'y arriver. Côté que un étudiant qui est Aristide Jean Wilfried, qui a 23 ans, et qui est en troisième année dans le département économique de la faculté de droit, mais qui a fait inagé tout, il a fait deux facultés en même temps. Il était pour faire examen et final avec professeur Karine Duval, et qui enseigne démographie. Et il y a plusieurs étudiants tout qui ont fait examen. Hein, et pendant l'étudiant passe l'examen, il est tombé. Donc nous prenons les dispositions, nous avons les ambulances, nous avons l'autre côté, nous avons conduit l'étudiant avec l'autre étudiant pareil, avec l'autre professeur qui était là tout, et bien pour te prendre les promotions. Mais malheureusement, l'arrivée dans l'hôpital Saint-Joseph, il est décédé. Donc ça a montré qui s'allie, ça traduit quoi? Eh bien, c'est que étudiants ont vu dans des conditions inacceptables, inhumaines. Ils ont cédé des déplacés internes, car ils ont été boulés tout. Ils ont des parents qui mourent. Ils ont des petits frères ou petits soeurs qui sont assassinés. Ils ont des proches qui sont assassinés. Et chaque jour, ils ont obligé à sortir de leur faculté en l'autre, de leur espace en l'autre pour venir sur le coup. Tantôt, c'est dans l'inagé de Christophe qui a suivi le coup. Et tu as un examen tout récemment, et bien étudiant obligé de courir quitter salle là, en bas coup d'examen, pour aller continuer l'examen juste Pétionville, dans le lycée de Pétionville. Donc ça a montré dans des conditions difficiles, avec beaucoup de frustration, beaucoup de stress que étudiants vivent, et nous-mêmes nous pensons que c'est un bagage qui est inacceptable, son bagage qui est intolérable, son bagage que nous ne sommes pas capables de dénoncer. Nous pas dire parce que nous pas senti véritablement au plus haut niveau de l'État, au niveau central, eh bien, gagnons intérêt, gagnons importance qui obéit à des milliers d'étudiants qui dans la rue, qui des nomades, qui des errants, qui pas connaît qui côté pour aller et qui étaient sur le point pour perdre une année académique, ont pas senti véritablement que le dossier ça lui sur le tapis au niveau des autorités de ce pays. Donc nous avons fait le devoir pour nous adresser correspondant ça au Premier ministre. Ça fait plus d'une dizaine de jours, mais jusqu'à présent, pas même un accusé de réception. Donc on attend et on a continué à faire le plaidoyer dans les autorités pour qu'ils soient capables de prendre en compte conditions de vie, conditions d'existence étudiants, mais on a demandé pour que les autorités prennent en compte toute situation de plus de 400 000 déplacés internes. Moun ki t'ap viv Kafoufeuil, moun ki t'ap viv Soubelè, moun ki t'ap viv Matissan, moun ki t'ap viv Fontamara ki te kouri en bas Koudzam et qui jusqu'à présent en battant dans des conditions inacceptables, dans des conditions inhumaines, dans des conditions cruelles, et bien côté qu'il y a vu dans des conditions de précarité. Renan Edouville, c'est protecteur citoyen, gagnant là, lui continue à parler ensemble avec sa nouvelle là, lui quoi situation difficile citoyen, ben paraît critique entre les pieds gouvernement pour gérer dossier déplacé au cap vivre dans différents cas dans pays à gérer déplacé interne t'as de une priorité de transition ça, selon Renan Edouville qui regrette un gouvernement à marquer pas sous place avec dossier si là, Renan Edouville.
C'est une situation qui est très difficile et c'est peut-être ça que nous avons attiré l'attention du Premier ministre, Dr. Gary Conné, sur la situation. Alors, quelle situation est-ce que c'est une situation déplacée interne, les gens qui quittent les cailloux, que les bandits courent derrière, et également les étudiants tout, qui viennent considérer comme ça d'arrêter des nomades, journée et jeudi. Comme tout le monde connaît, suivant l'accord 3 avril, là, eh bien, il y a trois axes que le gouvernement a supposé travailler sur lui. Question sécurité, question élection, mais question également prise en charge des déplacés internes. Question sécurité, il y a des efforts qu'a fait au niveau de la direction générale de la police. Question élection, il y a un peu d'efforts qu'a fait tout pour être capable de mettre sous pied le conseil électoral provisoire et qu'a composé de plusieurs secteurs, plusieurs entités. Mais question déplacés internes, bien directé en une phase que le peut démarrer. Et nous gagnons en pile étudiants, nous gagnons l'Université d'État d'Haïti qui est victime, il y a pratiquement 8 à 9 entités UEH qui étaient vandalisées, saccagées, ils ont perdu tout matériel informatique, toute documentation, tout archive, et étudiants dans la rue. Donc nous-mêmes au niveau de l'OPC, nous avons fait le devoir en tant qu'institution qui croit dans le standard et les droits à l'éducation, et nous héberger étudiants depuis pratiquement 4 mois. Depuis mi-avril, étudiants faculté de droit viennent suivre cours dans le local OPC, qui n'est pas bien évidemment qui était construit pour recevoir étudiants, mais janvier, nous arriver à permettre aux étudiants de venir suivre cours pour ne pas perdre l'année. On a des conditions extrêmement difficiles. Et c'est ça qui fait que nous avons attiré l'attention aux autorités, notamment le Premier ministre, pour nous demander pour prendre les dispositions pour que l'Université d'État d'Haïti recommence à fonctionner. Parce que situation inacceptable, côté que les jeunes en pile faculté ont été fermés et jusqu'à présent, les étudiants ne connaissent pas qui leur est capable de retourner dans la faculté. Voilà, au top côté intervention, protecteur citoyen, Renan Edouville, amis auditeurs, qui t'a parlé sur situation étudiant, yo, notamment étudiants qui s'est des déplacés internes, qui a pas suivre cours dans une situation difficile dans le local OPC. Toujours question insécurité, gain premier ministre Gary Conné, qui visitait Banque Centrale dans Centre-Ville Port-au-Prince, a dit, pour être capable de gagner information sur le fonctionnement institution, et puis discuter avec membre conseil d'administration sur stratégie sécuritaire pour mettre en place, pour permettre à employer institution continuer de servir membre population haïtienne. Moi, très reconnaissant envers vous-même et envers tout membre personnel, banque-là pour courage, à quelle détermination pour travail malgré gravité situation, pour continuer à servir population et aider institution à rester fonctionnelle. Déclaration pour le ministre, pendant une rencontre avec le conseil d'administration Banque République d'Haïti. Moi, vini porter tout appui, moi, remercie grandement pour sacrifice ou fait pour capable continuer travail malgré situation crise là. Moi promets tout gouvernement n'a déployé tout effort nécessaire pour soutenir et puis joindre un moyen pour rétablir sécurité dans la région métropolitaine Port-au-Prince là avec dans tout pays pour faciliter déplacement en toute inquiétude d'esprit d'après toujours déclaration docteur Gary Conné, chef gouvernement qui te voulait rassurer conseil Banque Centrale là. Bon, côté PAL, gouverneur Banque Centrale, là, M. Ronald Gabriel, renouvelé dynamisme, engagement, disponibilité personnelle banque là pour continuer travail pour desservir population haïtienne. Présent sous nos bureaux banque là, Monsieur Premier ministre, c'est un signal fort pour nous-mêmes dans le conseil d'administration et pour tout personnel là, d'après gouverneur Banque Centrale là. Monsieur Ronald Gabriel, rassuré chef gouvernement, dévouement personnel banque là, rassuré détermination personnelle Banque République d'Haïti pour travail pour répondre à défis actuel Lyon, d'après promesse gouverneur Banque Centrale. Pour finir, Premier ministre Gary Conné réaffirmé engagement gouvernement là pour travailler dans l'idée pour rétablir sécurité tout partout dans le pays, spécialement dans cette ville Port-au-Prince, pour permettre à toute institution publique et puis privée commencer à fonctionner normalement pour desservir
population haïtienne. N'a pas continué avec nouvelle sous antenne Radio Méga. Après la visite Premier ministre Gary Conny, gagnant également nouveau ambassadeur français à lui-même qui n'a pays a également été réalisé en visite dans FADH là. Donc visite au continué dans pays a face avec ça qui gagne là. Premier ministre là qui lui-même t'es en bas la ville là, mais ça gagne plusieurs jours là. Me constater Premier ministre là. Les gagnants des visites la fin en bas la ville là, sous champ de masse là, dans FADH, pour garder comment ça y est. Nous on vini avec dossier ça rapidement dans journal là. J'ai été annoncé là dans commencement journal là matin apparemment il y a des chefs gang eux-mêmes ils t'a envoyé des monde pour négocier pour yo paniquer chef gang yo voyer des monde pour capable négocier pour ta gagner un trêve avec gouvernement ça. Donc chef gang haïtien yo voyer des messagers pour négocier un trêve et dialogue avec gouvernement transition ça. Donc, c'est ça, responsable, la mission multinationale soutien à la sécurité. Donc, communiqué, il a publié. Cependant, demande gangster, il y a un pays arrêté par autorité gouvernementale. Yo. Mission multinationale soutien à la sécurité a publié mardi 17 septembre 2024. Là, il y a mis à jour sous ensemble opération Yapmenin. Des concerts avec la police nationale d'Haïti pour capable débloquer certains axes routiers qui contrôlaient par gang armée. Donc, c'est cas notamment pour cette ville Port-au-Prince, Gantier, Delma, Port, APN, Croix-des-Bouquets, Zone Cafou, Tabac, avec diverses lots. Encore, opération Sayo permet avec policiers yo détruire et permettre d'enlever diverses barricades avec Zamio, Temet sous diverses routes dans le pays, spécialement dans la capitale haïtienne. À guise des résultats, il y a un double mur construit par gang Améo dans 400 Marozo sur route nationale numéro 8, là, dans Croix-des-Bouquets. Il était entièrement écrasé par autorité, yo, la police avec la force multinationale là. C'est ça, nous t'es capable de communiquer ça. Donc, diverses autres zones encore, yo reprennent contrôle, yo. Ben, c'est des nègres avec ZAM qui tapent contrôlé, espace, yo. T'as coup, rue, dans diverses zones, dans Delma, t'as coup, dans Delma 33, 31, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 18, 6, avec diverses lots encore. Donc, pour ajouter sous ça, yo, plusieurs monde joignent arrestation, yo, diverses armes saisies, dans mes gangs armés, yo, parmi arrestation, yo, y a même gang méchant, et Pierre 6, qui, yo, même toujours, dans prison, c'est ça, responsable, yo, dans force multinationale, là, yo, précisé. Donc, paniqué par opération intense, force multinationale, là, PNH, là, puis mené dans pays, plusieurs chefs gangs, même voyer des mounes pour négocier un trêve et un dialogue bon côté gouvernement. En réponse avec ça, gouvernement haïtien, il a même rejeté des demandes ça qui formulait, c'est ça, force multinationale là, t'as capable écrit. Donc, message Premier ministre Gary Conny et directeur général PNH là, Ramon Omil, et commandement force multinationale là, il est très clair. Rendez-vous, c'est déposer les armes, préparez-nous et pour nous capables de passer devant le juge. Donc ça, face avec ça qui gagnait la dernière temps. On a toujours été sous question sécurité en